reconnaissance des métiers, conception et ingénierie. Le département de conception et ingénierie chez Berger comporte plusieurs axes, mais pourrait se résumer en un mot, autonomie. On y retrouve une vingtaine d'employés qui conçoit entièrement les différents projets. Annuellement, divers projets sont analysés dans le but d'améliorer les installations de Berger et faire grandir l'entreprise. C'est le département de conception et ingénierie qui a la responsabilité de réaliser les projets retenus. L'équipe se réunit pour discuter de la manière qui sera privilégiée pour la réalisation. Dépendant de la portée du projet, les échanges se font soit à l'interne avec l'équipe départementale ou sur une plus grande échelle lorsqu'il est question, par exemple, d'un projet de plus grande envergure, comme la construction d'une usine sur un nouveau site. Une équipe multidisciplinaire spécialisée s'occupe de faire ressortir le maximum d'idées. L'expérience de chacun est mise à profit puisque rien ne doit être laissé au hasard. Ce brassage d'idées se transpose ensuite en esquisse. Le processus se poursuit jusqu'au choix final de l'ensemble des composantes. Suivent alors le design des équipements, les achats, la découpe des pièces, la soudure, le montage des pièces d'acier, la peinture, l'installation, la conception de programmes automates, les branchements électriques pour la mise en service, etc. Assemblez toutes ces pièces et vous obtiendrez une usine fonctionnelle signée 100% Berger. Les employés du département de conception et ingénierie ont le souci du détail dans le sang. Il est nécessaire que tout fonctionne à la perfection une fois le travail terminé. La minutie est de mise constamment afin d'obtenir les résultats escomptés. Défis importants. Des projets de grande ampleur nécessitent des défis d'une tout aussi grande importance. Aussi, il est extrêmement valorisant pour les employés de voir les produits finis pour lesquels ils ont été persévérants et ont uni leurs forces. Les ingénieurs, dessinateurs-concepteurs, techniciens électroniques, soudeurs-monteurs et installateurs des équipements et de la structure sont fiers de voir leurs idées se concrétiser.